je m'appelle Cyril Hanouna. Je m'appelle. Quoi? Je m'appelle. Quoi? Mais vous vous appelez pas Valérie Pilaine, de 1. Et de 2, j'aimerais bien faire des choses. Je sais pas. Genre, par exemple, par le jeu Remstar sans aucune idée. Et sans aucune raison de le faire. Moi, je vais appeler Yoshi. Il va voter. Oubliez, vous allez rien comprendre. Hein. Non, mais franchement. Ouais, alors, passez la porte. Parce que sinon, Jérém Star va bien se faire, voilà. Même si j'aime pas trop dire tes gros mots, parce que c'est pas très très gentil. Et je lui ai dit, je dis à Jérém Star que voilà, qu'il va se faire manger par Yoshi, et que je me tourne vers Valérie Bénaïm, et que voilà, j'aime bien les manettes Switch, mais par contre. Les choses comme ça, genre qu'il dit que Valérie Bénaïm s'appelle Valérie Bénaïm, ce n'est pas du tout vrai. On a tout le temps donné une chance à Jérém Star avec Valérie Bénaïm, si vous savez pas. Et ils sont très amoureux et je sais pas pourquoi. Ceci était le générique. Bonjour. Les plus hauts qui est le meilleur, c'était extrêmement bien. Et l'enquête sur Lison, interview exclusif du producteur de la République de Bourg-en-Bresse. Bonjour, je m'appelle Cyril Hanouna. Je sais pas si je me suis présenté. Mais là, il y a un gros problème. Je regarde sur mes feuilles et c'est écrit que Yoshi va bientôt mourir. Alors, regardons un petit film qui va vous plaire. Bonjour, je suis Christian. Bonjour, 2 plus 2 est égal à 4. Oh my god, il est hyper intelligent. C'est ça l'affaire. Pourquoi Christian est aussi intelligent? Alors, une fois, un mec s'est assis. Ensuite, il est devenu complètement intelligent. Et il n'a pas trop compris. Surtout, il a critiqué ses cheveux. Ensuite, il a une page Twitter. Et il ressemble à ça maintenant, le gars. Et voilà l'affaire de Christian qui est en prison à cause de son intelligence. Et il a fait des agressions. Il fait des vidéos pour petits, mais ça on s'en fout, c'est surtout parce qu'il est intelligent. Alors après il y a un vieux qui parle et on tombe sur une photo de lui. Bonjour, voilà. Alors, l'affaire de Christian Quesada qui dit que il est beaucoup trop intelligent. Et je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez à dire contre l'intelligence de Christian? Moi, je trouve que franchement, qu'il est extrêmement intelligent parce qu'il a un gros pipi. Bon, je pense pas que c'est vrai. Regarde, bonjour, je suis Jean-Louis et j'aime bien Christian malgré sa télécommande. Je crois faire un décédé, un AVC dans 3 minutes. Parce que là, je sais pas, je pense mourir. Redites-moi, repose en paix. Et dites. On lui a coupé la parole. Bon, alors. Qu'est-ce que vous avez à dire? Franchement, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que moi, je n'ai rien à dire. C'est complètement honteux, parce que Christian, il est hyper intelligent et c'est ça le problème. Alors, j'ai bien envie de lui faire une très grosse claque et de le mettre dans une poubelle et ensuite de le virer de C8, même s'il est dans le groupe TF1, et le mettre en prison, même s'il est déjà en prison. Alors, c'est extrêmement honteux parce que voilà. Parce que je m'appelle Gilles Berthez et je gueule sur des gens qui sont même pas concernés, comme elle. Et souvent je gueule sur vous, et parce que je suis votre père, en fait, je suis votre beau-père. Et ouais, c'est vrai. Bon, moi j'aime bien tout ce qui est slip, C8, ou... Voilà, j'aime pas. Oui, c'est très intelligent ce que vous venez de dire. Je vais continuer en AVC. Voilà. Dites à Christian que je l'aime pas. Et que
En fait, cet AVC donne des avantages pour la population. Et dit à C8 que je lui fais caca dessus parce que C8 c'est trop bien. Et une fois j'ai appelé Jerem Star, il m'a dit que j'étais jeune alors que j'étais. On lui a encore coupé la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire, Mathieu Delambeau? Je suis Jean-Michel Maire de 1 et de 2, je suis pas Paddy et de 2, de 3, je sais pas compter, désolé, que je suis extrêmement bête. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'est la fin de l'émission, malheureusement. Et on se dit ciao. Mais on se revoit pour une nouvelle vidéo de Kermasso, non? Pas du tout, c'est complètement au-dessus de ces vidéos. Quoi?